Je me rappelle quand je suis plus jeune, environ 10 ans d'ici là, dans mon quotidien, problème concernant les affaires hadiths levées. Et d'un seul jour, je me prépare un document. 10 raisons qui font ne pas suivre un livre comme Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, etc. Et ce document-là, je suis très facile, je me dis dans un seul papier à 4. Alors qu'il y a une website, nous avons une encyclopédie, la fabrication de ce livre a dit ça. Mais qui fait, moi, tu mets dans un seul papier à 4 pour qu'enfin, je suis perdant, tu dois mourir, je trépite ça 10 points là, un poème. Voilà le document là. Il y a encore là jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas capable de citer ça 10 points là et réfute lui à côté, point par point. Finalement, il y a des gens qui essaient de faire des efforts pour essayer de réfuter ce point là. Mais seulement, je peux trouver cette même qualité de travail qu'il fait. Là-dedans, le 9e point de ce document-là, on peut citer comment il était, comment je mets lui. Et je peux citer comment il fait pick and choose, il fait choisir une partie là-dedans et il réfute une partie. Il choisit un petit bout de partie, il réfute une partie et il peut justifier sa conception. Non, il n'est pas fini. Il ouvre ce livre, il ouvre ce document-là et vous trouvez qu'il n'est pas capable de réfuter ce document-là en totalité. Numéro 9. Parce que ce livre-là contredit le Coran. Par exemple, Mohammed, les derniers prophètes, chapitre 33, verset 40. Jésus, messager d'Allah, fin prédire qu'il y a un messager pour venir après lui, chapitre 61, verset 6. Et Jésus fin fini, Tawa Faitani, chapitre 5, verset 117. Qui saute depuis les mots Wafad, Wafad veut dire mot. Mal traduire pour enlever. Bukhari finit toujours mettre une conception chrétienne de ce livre que Jésus pourrait retourner. Attendre même. S'il pourrait venir, il pourrait en faire plus de 2000 ans. Et pas oublier, il y a un Israélite et il pourrait s'allier du monde Shalom. Il y a lui-même qui pourrait faire couloutir la croix à sa fois là. Regarde comment il refait ça de ce livre. Page 26. Donc, pour en faire 10 raisons qui firent ne pas suivre livre comme Bukhari, l'idée des man soi-disant, vous devez dire Bukhari toujours filmé de conception chrétienne de ce livre qui Jésus pas pour retourner à temps même. Qu'est-ce que ça différence ça? Qu'est-ce que je même? Quel point qui m'a fait avancer? Comment il pick and choose et point un bout? Et il vient essayer de justifier sa conception. Comment vous trouvez, il prend bout, il fait une route. Essayer pour justifier sa conception, mais il n'est pas fini capable de produire un document pour répondre point par point. Ça, disons, c'est là. Mais à ce stade, nous finissons pour répondre 999 questions pour vous. Et nous finissons pour vous une lettre officielle enregistrée. Nous finissons pour vous dire que vous face à face. Nous faisons une interview, nous filmons, nous mettons sur YouTube. Nous finissons pour répondre 999 questions pour vous. Et nous finissons pour vous dire trois premières questions qui pour été. Premier là-dedans. Est-ce qu'ils sont capables de donner la liste tout mon livre qui je dis bien suivre? Numéro 2. Est-ce qu'ils ont même fini lire et suivre à la lettre ce mon livre là? Et troisième question, on pose, est-ce qu'ils ont amené ce mon livre là pour montrer du monde qu'il y a même besoin de camion pour amener ce mon livre là, de disposer pour donner un camion pour amener ce mon livre là? Sorry, mon pédiatre, mais dans le Coran, Allah c'est bien le terme. Allah c'est bien le terme ban bourrique qui sort les livres. Mais, et aussi, moi, je me poser une question bien facile. Je dis à moi qui besoin douzaine et douzaine de livres hadiths pour expliquer le Coran. Je dis à moi qui besoin un certificat, le certificat de langue arabe pour capable comprendre le Coran. Moi, je me poser une seule question. Prends toujours un livre hadith qui existait, prends toujours un certificat de langue arabe qui existait. Pas besoin d'expliquer moi le Coran, ouvrez le Coran,
premier chapitre, premier ayat. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Si je te explique, moi, à mon moment, je te 40 bananes. Al-Servizu Man Liv Hadith, Al-Servizu Man Certificat de langue arabe. Et je peux trouver toujours une traduction internationale, fausser le premier ayat. Si premier ayat de Coran, je pas fini de comprendre, est-ce que je peux venir expliquer le Coran? Non, mon bon frère, mon bon soeur. Au contraire, prochaine fois, après, nous vous donnons 3 ans pour essayer d'expliquer nous ça. Premier ayat de Coran. Après 3 ans, quand je ne suis pas capable, et très certainement je ne suis pas capable, les là, nous pouvons venir, nous pouvons montrer comment Ar-Rahman Allama Al-Quran, comment Allah même explique ça de Coran. Je vous trouve les mots différents entre ce qui se finit fabriquer, ce qui se finit inventer. Tout louange pour Allah Wahdahu, Seigneur de l'univers.